Martin ! Ah, quel con ! Aujourd'hui, j'aurais pu ne plus être puceau. Si seulement j'avais eu une érection. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un appartement situé en plein Biarritz, donc au dernier étage. A noter qu'il n'y a aucun voisin dans l'immeuble, donc tranquillité assurée. Ça c'est parfait. L'appartement est en ce moment loué par deux jeunes étudiants. Donc, d'accord. C'est spacieux. Oui, je vais vous montrer un plan global de l'appartement et puis après nous ferons les pièces en détail, donc pièce par pièce. D'accord, je vous suis. Donc là, vous voyez vite fait le salon. D'accord. Je vais vous montrer la cuisine. Les tapisseries vont être refaites, vous voyez? Oui, tout va être fait avant le changement de propriétaire. D'accord. Donc vous voyez donc la cuisine, donc pas très spacieuse, mais bon, ça reste convivial pour le petit déjeuner, tout ça, enfin bon, c'est sympa. D'accord. Je vais vous montrer maintenant la chambre. La chambre. La porte bloque un peu. Wow, Francky, ça va? Ça va, Jordan? Ouais, ça va, attends, je t'ouvre. Pas de soucis. Ça va? Ouais. Ah, attends, 2 secondes. Ah, c'est ma copine. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, Jordan? Je crois que ma copine vient de rompre. J'ai pas trop envie d'en parler. Le problème, t'en parleras quand tu voudras. Ça fait plaisir d'avoir des copains comme toi. Oh, c'est encore ma copine. Aujourd'hui, ma copine m'a quitté. Quand je lui ai demandé pourquoi, voilà ce qu'elle m'a répondu. 6 cm de plus. Oh, Gaëtan! Tiens, Rémi, tu m'invites à manger ce soir? Ah non, mon frigo, il est vide. Mais tant pis, t'as qu'à m'inviter au resto. Ah, c'est bien, tu te renseignes enfin. Aujourd'hui, je suis tout seul chez moi, pendant que ma copine est au restaurant avec son ex. J'ai quelque chose à te dire. En fait, j'étais sur internet aujourd'hui, j'ai trouvé des places pas chères pour aller ce week-end à Londres avec EasyJet. Pour 15€ à deux, on aimerait de faire 3 jours avec l'hôtel et tout. Je viens de te dire, j'ai quelque chose à te dire. Non, parce que j'ai un pote qui a été il y a 2-3 semaines, donc il me racontait ça. Il y a pas mal de trucs à visiter, Big Ben, tous ces trucs-là, tu vois, Harrods, Tussauds. Oui, je suis en pleine lecture là, je te rappelle plus tard. Aujourd'hui, ma femme m'a avoué qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme. Cela fait 17 ans que nous sommes ensemble. Pas grave, tu sais. Aujourd'hui, j'ai vu ma petite sœur utiliser ma brosse à dents électrique pour se masturber. Puis, elle l'a reposée dans le socle comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe avec tes parents? Mais c'est bordel, c'est pour... Oh non, ils sont en plein divorce en ce moment. Fais pas gaffe. On s'en fout. Ok. Non, c'est ton fils, c'est tien, tu le gardes, c'est toi qui l'as acheté. Non, c'est mon cadeau pour la garde, pas chez moi. Moi non plus, non, hein. Je me fais de cette merde là. C'est une grosse merde. Ah non, non, il non. Il suffit de me tourner, je l'ai chié ce gosse. Il sert à rien. Il sert à rien justement, c'est toi qui en as la garde. Non.